Ils sont venus de tous les horizons pour s'armer et convaincre efficacement les électeurs. La rencontre a eu lieu le lundi 26 décembre à Glasoui. Pour le coordonnateur départemental Colline du parti, il est important de présenter aux électeurs le projet de législature de l'UP Le Renouveau. Nous allons échanger entre nous sur les langages que nous devons tenir sur le terrain pour éclairer nos militants et éclairer les populations béninoises. Elles en ont besoin. Sans l'information, vous n'êtes pas éveillés. Nous avons pensé qu'il faut choisir quelques responsables sur le nombre que nous composons pour se retrouver ce matin et échanger sur la manière stratégique dont nous allons procéder pour faire venir, pour amener à l'Assemblée nationale au mois de janvier prochain 4 députés sur 4. Les candidats Victor Laoui, Aka Marcelin, Jean Détondé ont exhorté les militants au travail de fourmi pour l'atteinte des objectifs du parti. Il n'y a pas de bonheur pour un opposant. Vous voulez avoir d'opposition à Glasoué? Non. Vous voulez avoir d'opposition à Saint-Vert? Non. Vous voulez avoir d'opposition à Ouessé? Non. C'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Mais Dodo Lifion, quand il y a nous, wow. Glasoué est en train de travailler pour faire élire son député. Ouessé est en train de travailler pour faire élire son député. Avec un petit effort, Saint-Vert aura aussi son député. Je crois que l'accompagnement de nous tous pourrait aboutir à ce bon résultat. Et c'est parce que nous le pouvons. Si on le veut, on pourra amener les 4 députés avec les 4 suppléants à l'Assemblée. Face aux autres partis politiques en lice, l'Union progressiste de Renouveau compte sur sa force de frappe. Il ne sert à rien de travailler, de militer, de souffrir et de voter pour une formation politique qui ne pourra pas batailler les sièges. Oui, non, c'est pour ça qu'on n'a pas peur, la population n'a pas peur. Les fretins, comme j'allais dire, les fretins, les petites formations politiques qui sont là, nous, et ils ne nous inquiètent pas, en fait, ces formations politiques-là. Mais dans tous les cas, on doit savoir et se dire que on fait de la politique pour le vrai développement. Et aujourd'hui, on sait que le modèle qui est en train d'être implémenté par l'Union progressiste, c'est un bon modèle, c'est un modèle qui va aider la population à régler ses problèmes. Les femmes ne se voient pas jouir de leurs prérogatives parfois sur le plan social, professionnel et économique. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, aller défendre la cause de ces femmes-là. Chers Amazones, mes femmes, je compte beaucoup sur vous. Et je sais que quand la femme dit oui, c'est oui. Travailler, parler à nos maris, parler à nos enfants, parler à nos frères et sœurs. Dites-leur que c'est l'UP, le renouveau ou rien. Après cette rencontre de mise à jour des stratégies politiques, place au travail sur le terrain.